Hunter étant venu plusieurs fois partager nos activités de l'année dernière, c'est l'Autriche qui est retenue. Et à Mardi Gras, François et Claude découvrent, à l'extrême pointe sud-est du lac de Constance, Bregenz et la Bregenzerach. C'est une folie tourbillonnante qui les empoigne. À Bregenz, à Dornbirn, Carnaval règne en maître et envahit les rues. Sur les chars, tout l'héritage de l'Eulenspiegel, Till l'Espiègle, qui inspire clown et musique. Les rivières y sont, paraît-il, pleines de truites, mais de cette taille... En Autriche aussi, le ski règne. Aux choses sérieuses, conduit par Werner, nous explorons un premier site rieur et ensoleillé. Sarane, ne vois-tu rien venir? Hélas, la rivière est canalisée, l'herbe est barricadée, il n'y a plus de liberté. Allez, on va ailleurs. Nous découvrons Irschau. Irschau aux tuiles de bois. Nous découvrons un ruisseau qui murmure. Une forêt sauvage sous la neige. Mais dès que se dévoile, immaculée, cette peinture, notre but, nous sommes conquis par la bergerie, par la grande allée blanche. Et pensifs, nous contemplons une Bregenzerach glaciale et maigre entre ses bancs de galets et de neige. Mais on nous a juré qu'à l'été, la rivière a plus d'eau. Et donc, nous entreprenons de la reconnaître. Et cela semble bien devoir passer. Malgré les apparences. Nous notons soigneusement les obstacles. Déversoirs, écluses et compagnie. Par exemple, ce rocher bizarre marque un passage dangereux. Plusieurs morts, déjà, ont essayé de franchir cet entonnoir avec leur canoë.
finir, avant le retour à Paris, nous examinons le terrain où se dérouleront raids et explorations. Pâques. Le printemps bourgeonne. Si la canisse floue se dresse toujours sévère en noir et blanc, le paysage s'humanise. Et François profite de ses vacances avec sa famille. Au camp, la neige cède peu à peu. L'herbe roussie apparaît. Le propriétaire se laisse attendrir. Et François découvre la source qui sera pour les chefs eau courante, frigidaire et baignoire. Parler d'elle. Mais ce n'est pas tout d'avoir un lieu, une rivière et des amis. Il faut aussi établir les meilleurs plans de radeaux. C'est sur les eaux fétides des étangs de Buc que nous essayons. D'aucuns voudront tâter du radeau à trois bouées alignées. Pour l'instant, guépard puis hirondelle, puis les autres patrouilles, testent la maniabilité du triangle. Bon, alors Manu, tu prends les guépards et tu nous essayes ça? Teste la maniabilité du triangle dans les portages. Attention pour lever. Lever. Épaule. Avancez doucement. À gauche un peu. Puis les premières classes musclées mettent à l'eau l'engin chargé de 10 sacs bien emballés et ficelés. Ils embarquent à 10 lourds. Ça flotte, mais c'est lent. Mais alors, ça avance pas, Frado. Qu'est-ce que vous faites? Pagayez un peu, quoi. Qui aurait cru alors que nous allions trouver tout autre chose?
D'abord, l'été est arrivé, triomphal. Tout est vert, feu vert partout. L'herbe est tendre, la forêt embaume, la canisse floue que la troupe escaladera est presque accueillante. Nous ne savions pas encore que ce serait exceptionnel, mais nous sommes accueillis par le soleil. Aussitôt, la troupe entière s'active à monter son camp. Chaque patrouille ouvre son chantier. Michel, le novice de la patrouille de maîtrise, est brouillé avec la plane. Il préfère la hachette et la main gauche. Chef, eux, jouent les petites mains et en avant les enfileuses pour monter les sacro-saints PH. La troupe en est encore à cette mode, celle des paraboloïdes hyperboliques. Et ça vaut le coup quand c'est fini. Les guépards, eux, doivent d'abord vaincre un océan de boue, car dès le premier soir, il pleut. J'arrête ce brûlage. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu, celle-là.